amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi, troisième jour au Japon. Donc aujourd'hui, nous sommes du côté de Hiroshima. Donc ce matin, on a pris le train à 7h du matin, donc le Shinkansen. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Bref, donc pour Hiroshima. Et ensuite d'Hiroshima, on a tout de suite pris un ferry pour nous rendre ici, dans cette île dans laquelle on se trouve actuellement, l'île de Miyajima. Donc c'est une île avec un sanctuaire, il y a des temples, il y a plein de choses à voir. C'est une île qui est très particulière, elle fait partie des trois plus beaux sites du Japon. C'est une île dans laquelle on ne peut pas naître, on ne peut pas mourir, on ne peut pas couper les arbres. Bref, vraiment un lieu, on va dire, très sacré. Donc là, on est en train de traverser, je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue, Oteko Sendo, quelque chose comme ça. Donc une rue avec plein de magasins, pour nous rendre dans un premier temple. Et de ce temple, nous allons voir le tori, le magnifique tori que peut-être vous avez déjà vu en photo. Un tori qui est immense, qui pèse, je crois, 60 tonnes, quelque chose comme ça, qui a été reconstruit plusieurs fois. Je vous emmène avec nous pour la découverte de l'île de Miyajima. C'est parti! Alors, comme vous avez pu le voir, on a pris le téléphérique, donc on est toujours sur l'île de Miyajima. Et on a pris le téléphérique pour monter sur le mont Misen, qui est le point culminant de l'île ici. Je crois qu'on est à plus de 350 mètres. Et là, on va aller justement tout en haut. On a 30 minutes de marche avec les filles, on n'a pas de poussette. On a laissé la poussette en bas au niveau du téléphérique. C'est une promenade qui peut se faire à pied. Mais c'est pas possible avec les filles, c'est pas possible et on n'a pas pris les portes bébés. Donc du coup, on s'est dit, bon, allez, le téléphérique et on fait le reste à pied. Et c'est sympa, franchement, c'est sympa. C'est sympa, on est vraiment en pleine nature, coupé du monde. C'est super agréable, il fait bon. Que vous dire de plus? Si vous allez au Japon, si vous êtes du côté de Kyoto, c'est quelque chose à faire. Qui se fait facilement depuis Kyoto. Et voilà, donc on va marcher tout doucement et on va aller au sommet. Il y a quelques petits temples aussi sur la route. Je vous en dis pas plus. On monte toujours, ça monte pas mal. Yeah.
pour la descente et la descente ça sera sur le dos. Je vous ai fait une vidéo sur les avantages et les inconvénients de voyager avec des enfants. Ah ! Et là, franchement, c'était dur. 15 kilos sur le dos. Il n'arrête pas de bouger et chanter dans les oreilles. Ah ! T'es en train de m'étrangler, Mariam. On va prendre le téléphérique pour redescendre. On a encore un petit temple à voir en bas. Et ensuite, on y va à Hiroshima. On est monté tout en haut là-bas. La maison que vous voyez, tout en haut là-bas. C'est quand même assez sportif, franchement. On a encore un truc à aller voir. Il faut encore monter, mais ça va, là, les filles, elles montent toutes seules. Allez, les filles. Arigato. Ok, on va goûter. C'est bon. Délicieux. Donc voilà, on a quitté Miyajima. Franchement, j'ai trop aimé. Ahmed ? Ouais, c'était génial. Sincèrement, c'était vraiment super. C'était vraiment bien, j'ai tout aimé. Voilà, c'est un endroit à faire. Et donc là maintenant, on va aller visiter Hiroshima. Donc n'hésitez pas à aller voir la suite de la vidéo si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire à Hiroshima. Voilà, bye bye.